Isive, d'Hélène, à plat, Paulette. Paulette. Paulette, qui dormait sans doute, prit son temps pour se lever. On entendit grincer des volets qu'elle repliait. En ouvrant, à la vue de son père, elle prit une mine penaude, elle s'exclama, presque affolée de surprise, « Oh maman! C'est papa !» Et, sans rien dire d'autre, elle s'enfuit, comme une biche effrayée, à l'intérieur de l'appartement. Bernard entra, par un obscur vestibule, dans la chambre vaste où sa femme était couchée. Était-ce bien Hélène? Il eut passé devant elle, sans la reconnaître, deux creux d'ombre sous les pommettes, les yeux reculés comme au fond de deux trous, la peau du menton collée sur une mâchoire de morte, et un teint exsangue que l'émotion fit d'un rose pâle, pâle comme celui d'une lune d'hiver dans un soir gelé. Il s'avança auprès du lit, ne pouvant prononcer un mot. Seulement, il leva les bras et les laissa retomber par un geste d'involontaire commisération qui signifiait « Toi, Hélène. Est-ce possible que je te retrouve à ce point anéanti ?» Il s'inclina sur elle, et de ses lèvres lui toucha le front, ainsi qu'on baise un enfant malade, ce baiser grave eut la solennité tacite d'un pardon. Avec un grand effort, elle haussa vers lui ses prunelles sans flamme. « Mon pauvre ami, murmura-t-elle, je t'ai fait beaucoup de mal. Je n'ai jamais douté de toi. Tu es venu quand même. Tu es bon, ne parlons pas de moi, protesta doucement Bernard. Ce que j'ai souffert est passé, je suis debout. Il faut que tu sois debout. Je ne veux pas que tu te laisses mourir. » Elle souleva sur le drap sa main droite dont les doigts n'étaient plus que des osselets d'ivoire jauni, et ce mouvement eut l'air d'exprimer « Mourir, c'est sans importance ». Mais elle tourna ses yeux du côté d'Adèle et de Charles qui attendaient un signe pour s'élancer à son cou. Un sourire effleura sa bouche, y ranima comme une fleur de vie. Et Paulette, fit-elle soudain, en la cherchant du regard. Paulette, tu ne viens pas voir ton père, Adèle, Charles. Es-tu sotte, mon enfant ? Paulette avait disparu dans sa chambre, elle se tenait à distance, butée contre ce retour à l'unité familiale, et jalouse de ne plus avoir sa mère pour elle seule, craintive aussi devant un père qu'elle avait offensé. Mais le reproche d'Hélène, « Es-tu sotte ?» eut prise sur le point sensible de son orgueil, sur l'amour-propre de se croire intelligente. Elle l'était et, jugeant sa bouderie stupide, aussitôt la répara. Elle accourut impétueusement, embrassa son père comme si elle l'avait vu la veille, puis Charles et sa sœur, qu'elle attira vers l'embrasure d'une des fenêtres, pour leur montrer la vue, les masses des marronniers encore dans l'ombre au bout du jardin, le potager et les pelouses radieuses le long desquelles circulaient des infirmières en blanc. Bernard, qui l'avait accueillie sans vive tendresse, entendit qu'elle s'informait du Mans et de Touhong. Touhong, répondit Adèle, n'est pas sérieux, il s'absente des nuits entières. Les souris s'en donnent, c'est infernal. Nous lui cherchons un successeur. Bernard s'était assis au chevet d'Hélène, à la façon d'un médecin qui fait une visite, elle laissa retomber sa tête sur l'oreiller, et manifestement exténuée, referma les paupières. « Souffres-tu beaucoup ? » interrogea-t-il, sentant qu'il fallait rompre à tout prix l'embarras des premières minutes. « Oui et non. Je flotte dans le vague, comme un noyé qui va s'évanouir. Mais tout me brise, tout me transperce. J'ai la tête enserrée d'épines, et des épines sous mon front qui bougent dans mon cerveau. J'ai arrêté la pendule, le tic-tac me perforait les tempes.
Il pleuvait, l'autre nuit. Le bruit des gouttes, sur la tôle des chéneaux, m'exaspérait comme si des becs d'oiseaux m'avaient piqué les côtes. Hier, je me suis évanoui, le graphophone du marchand de vin hurlait un air de bastringue, le supplice de ne pouvoir fuir m'a donné une crise d'étouffement. Madame Laboré, par bonheur, se trouvait là. Tu sais, elle passe des heures, tous les jours, avec moi. Elle aide la femme de ménage à retourner mon matelas. Tu la verras, ce matin. C'est elle qui m'a cueilli ses fleurs. Hélène indiqua, d'un revers de main, sur la cheminée en désordre, parmi des fioles de remède, un bouquet d'héliotropes et de jacinthe sauvage, dans une buire d'étain, d'une forme charmante. « Approche-toi, dit-elle, ces jacinthes sentent l'amande. Regarde ces petites feuilles brillantes, dentelées. Comme c'est joli !» Bernard songea brusquement que la buire devait être un cadeau de Glanca. À son arrivée dans la chambre, par un sublime oubli de lui-même, il avait fait abstraction du passé. Il n'avait vu que la pauvre femme aux abois, qu'il aimait et qu'il venait disputer à la mort. Mais la présence du rival, incrustée en ce lit, en ses meubles, sur le plancher, mêlée à l'air du logis, à des choses qu'il devinait sans les voir, Hélène, d'une intonation et d'un geste, la réveilla tout à coup. Elle s'exaltait devant les fleurs de Madame Laboré, parce que le vase où elle les avait mises était un souvenir de son amant. Bernard sentit au fond de sa propre chair le retour des instincts qui ne pardonnant pas. Entre sa femme et lui le fantôme s'interposa, le ménage à trois continuerait-il. Et il ne pouvait rien pour empêcher cette possession fictive, rien, si ce n'est patienter. Les années useraient l'image de Woronsla, comme elles avaient usé, en Bernard lui-même, celle d'Edith. Il ne s'approcha point des fleurs, mais considéra tristement Hélène qui relevait derrière sa nuque une touffe de cheveux gris. « Repose-toi, dit-il. Je ne veux pas que tu t'agites en parlant. Quand Madame Laboré viendra, nous prendrons une décision. Il est impossible que tu restes ici. Et où veux-tu que j'aille ?» Gémit elle, consternée. Ici, j'ai un grand calme, le graphophone ne joue que le dimanche, j'entends les coqs chanter, des petites filles sauter à la corde. Le soir, derrière les marronniers, les crépuscules sont si beaux. Les gens viennent s'asseoir sur leurs portes, des jaseries lasses et tranquilles, comme dans un village. Vers 10 heures, tout est endormi, sauf moi. Oh! Si je pouvais dormir une bonne nuit, une seule bonne nuit. Mais, plus je cherche le sommeil, moins il vient. Je ressemble à ce condamné qu'on fit mourir en le privant de sommeil, et chaque fois qu'il s'assoupissait, on lui enfonçait dans les membres des pointes de baïonnette. Bernard tâcha de la convaincre que l'équilibre du dormir reviendrait avec l'ensemble de ses forces. Vieillir de faim, avait jadis été sa frayeur, à présent, elle se laissait consumer par cette maladie bizarre, ne vouloir et ne pouvoir plus manger. Seul, un traitement vigoureux dans une maison de santé lui restituerait l'énergie de se nourrir et le sommeil. Et comment paierai-je ? Se défendit-elle. Il me reste à peine 100 francs. Quelqu'un de généreux m'a prêté, répliqua Bernard. Ne te mets pas en souci. Pense à vivre. Il la comprenait trop, pour elle, se séparer du logis où Glanca l'avait aimé serait un sacrifice indicible. L'homme par qui elle s'était vue abandonnée lui demeurait, quoique disparu, plus cher que son mari vivant et tout à elle,
plus cher que ses enfants et que la vie elle-même. En face d'une telle aberration, Bernard, un instant, perdit courage, il se tut, et, dans son silence, elle discerna qu'elle l'avait blessé. Ce fut elle qui reprit l'entretien, elle demanda, car le prestige de son frère persistait à la gouverner, « Jules, t'écrit-il. J'ai reçu un mot de lui, après son arrivée. Il était heureux, mais très las du voyage. Depuis, rien. J'ai eu de ses nouvelles, l'autre mois, répondit Bernard, sommairement. Ses affaires sont toujours magnifiques, en espérance. Il s'entendit que Jules lui donnait des chiffres sur la hausse, déjà prononcée, du caoutchouc, il n'admettait pas qu'Hélène pût être conduite à se rapprocher de lui, parce qu'un meilleur vent soufflait dans ses voiles. Et l'endormit. S'informa T.L. A-t-il rendu l'armoire? Hélas! Quand la délivrerai-je de ses mains hideuses? Cette question d'Hélène confessait qu'elle songeait à la vitrine de Glanca. Bernard, après la mort du docteur, avait prévenu sa veuve qu'il lui expédiait le meuble maléfique. Il n'en parla point à Hélène, toute conversation, entre eux, il le savait bien, serait longtemps épineuse comme la coque d'une figue de Barbarie, il y aurait, jusqu'à la fin, des sujets interdits, impossibles. Mais il ne cherchait plus un bonheur sans amertume, il voulait le salut de celle qu'il aimait, pour elle plus que pour lui. On sonna, c'était, fidèle à sa promesse, Madame Laboré. En trouvant tous les dieux aides accourus selon son attente, sa figure naïve et juvénile, pressée de bandeaux blonds, s'illumina de contentement, elle eut le tact de ne point le manifester avec exubérance. Elle arrivait, comme une sœur de charité, attentive d'abord aux soins nécessaires. Elle fit bouillir une tasse de chocolat, suggéra, imposa presque à la malade de l'absorber, cuillerée par cuillerée. Hélène, à chaque gorgée qui descendait, était prise d'un étouffement, elle suppliait, « Assez, assez. Voulez-vous donc m'achever ?» Madame Laboré, d'une voix persuasive, insistait, « Encore une. Encore une. » Et elle persévéra jusqu'à ce que la tasse fût vide. « En voilà pour longtemps, » déclara Hélène, impatientée. « Et tu crois, » s'écria Bernard, « survivre à un pareil régime. N'est-ce pas, chère madame, malgré vos bontés admirables, jamais elle ne se remettra sans un traitement énergique dans une maison appropriée. » Madame Laboré opina que c'était bien sa conviction. S'il l'autorisait, elle avertirait le docteur Picard, de Neuilly, qui viendrait lui-même avec une voiture d'ambulance et transporterait la malade. Il n'y avait plus un jour à perdre. Hélène se récria, aujourd'hui. Non, je ne veux pas. C'est un coup monté. Vous abusez tous de mon impuissance. Paulette, à la rescousse de sa mère, commença une scène de larmes, Madame Laboré prévint Bernard en lui intimant de se taire. « Ma petite maman, dit Adèle, sois obéissante. Tu vois bien qu'il faut te laisser guérir. » Mais Hélène jeta un coup d'œil à son amie, Madame Laboré pénétra son tourment, avant de quitter la chambre, Hélène tenait à mettre en ordre ou à détruire plusieurs choses intimes. Madame Laboré pria Bernard d'aller s'entendre, au téléphone, avec le docteur Picard, le dévouement de ce jeune neurologue était acquis, Laboré lui avait, à ses débuts, rendu des services qui n'avaient pas aidé un ingrat, il sera vôtre comme il est nôtre. En rentrant de cette course, Bernard trouva Hélène habillée,
Tant bien que mal, sa robe ne tenant plus sur son squelette et ses bas ayant l'air de cacher deux bâtons. Il remarqua, au fond de la cheminée, un amas de papier noirci, et se douta qu'en son absence on avait brûlé des lettres. Le docteur arriva, un homme d'aspect délicat et pâlot, un de ces médecins dont on pense qu'ils ont oublié de se guérir avant de soigner les autres, mais il rappelait Broulan par le sérieux de son diagnostic, avec une douceur affectueuse dans le regard qui manquait à Broulan. Son accent de simplicité captive d'élabore la confiance d'Hélène, il l'interrogea, l'ausculta pour conclure, « Vous n'avez aucun organe atteint. Seulement, la faiblesse du pouls, votre état général vous met à la merci d'un accident. Il faut agir, et je vous emmène. Comme vous voudrez, » dit-elle d'un ton de lassitude immense où elle s'avouait résignée à tout, même à renaître. Il appela le chauffeur de l'automobile et un domestique resté en bas avec lui. Les deux porteurs soulevèrent Hélène, la déposèrent sur une civière capitonnée. « Madame ne pèse pas lourd, » observa le domestique. « Je pèse, » murmura-t-elle, « le poids d'une ombre. » Tandis qu'on l'emportait, livide et défaillante, elle s'aperçut dans la glace d'une armoire, fut épouvantée de sa mine et dit encore d'une voix à peine distincte, « Je regarde partir mon cadavre. » Ce départ était si lugubre que Paulette et Charles, derrière elle, éclatèrent en sanglots. Mais Bernard se pencha vers Madame Laboré, dominant toute sa douleur, il attesta son espérance, une autre Hélène renaîtra. 3 jours après, il reprenait le chemin du Mans. Le docteur de Neuilly constatait déjà chez sa malade, une détente, il avait obtenu 6 heures de sommeil spontané, elle venait d'absorber sans peur d'étouffement un bouillon de légumes. Désenvoûtée de la chambre funeste et de l'obsession du mort, Hélène laissait l'afflux vital se réordonner en ses organes, à moins de complications improbables, elle était sauvée. Adèle la quitta, certaine que Sainte-Geneviève l'exaucerait jusqu'au bout. Paulette, de bonne grâce, regagna le foyer paternel, Paris, sous les bombes, l'enchantait médiocrement, « J'y retournerai, » disait-elle, « quand on ne lira plus contre les portes des maisons, abri pour 25 personnes. » Le Mans commençait à s'emplir de soldats américains. 60 000 hommes devaient établir leur cantonnement dans la province du Maine, ce fut, sur la ville, une inondation de dollars. La librairie Dieuzède en fut elle-même arrosée. Frimbaud planta au flanc du balcon une énorme enseigne où rayonnait en lettres d'un rouge cardinalis ces deux mots, « Catholic Library ». Les chevaliers de Colomb connurent ainsi la route du magasin, son air de gueuserie ne les découragea point d'entrer, achalandés par des cartes postales et des livres pieux, une fois l'habitude prise, ils revinrent en troupeau. Tant de monde s'y pressait l'après-midi et jusqu'au soir, que l'endormi, ne trouvant plus où poser sa visqueuse personne et ses béquilles, interrompit ses visites quotidiennes. Il empruntait un journal et l'emportait chez lui. D'où à la fin de septembre, Bernard gagna de quoi lui rembourser son prêt, l'armoire traversa la rue, se réinstalla pompeusement auprès de la tenture fleurdelysée, et ce ne devait pas être sa dernière pérégrination. Dès ce moment, Bernard songeait à reconstituer le centre de sa vie temporelle dans son manoir, à Portsic, l'armoire serait un des premiers meubles qui rejoindrait la demeure vide. De jour en jour, Hélène se rapprochait d'une santé ferme. Elle s'abandonnait à une mollesse végétative où se refaisait l'inconscient de ses forces. Il était entendu avec Bernard qu'au début d'octobre elle partirait de Neuilly pour continuer à se remettre, l'automne et tout l'hiver, dans la maison de Brohignac.
Paulette et Charles, Adèle aussi l'y suivrait, le curé du bourg se chargeait de leur instruction, il commencerait aux deux filles le latin. Hélène ne s'arrêta pas au Mans, son mari conduisit les enfants au train qui s'en allait vers la Bretagne. Physiquement, il la revit métamorphosée, quoique bien maigre encore et avec des cordes au long des joues. Il démêla en son intérieur une tristesse mal clarifiée, la mélancolie d'une passion dont elle ne gardait pas même une pincée de cendre au creux de sa main, une gêne vis-à-vis des siens qu'elle avait trahis, le découragement en face d'un avenir où plus rien ne lui semblait désirable. Elle témoigna pourtant une extrême satisfaction d'emmener ses enfants, parut touchée que Bernard se séparât d'eux pour elle, et il ne lui fut pas indifférent d'apprendre que la librairie prospérait. On entrait dans la période triomphale de la guerre, la France, d'heure en heure, sentait se desserrer les nudes de fer dont elle avait, 4 ans, soutenu la compression. Enfin, on allait de l'avant, chaque matin, une victoire nouvelle s'envolait sur le front des armées en marche. Bernard, né après la défaite de 70, se dilata d'une allégresse ignorée à sentir que son pays cessait d'être un pays de vaincus. Dans les lettres d'Hélène où elle parlait peu de soi, mais donnait de son entourage des nouvelles circonstanciées, ce bien-être victorieux perçait à travers de minces détails. Il avait promis de passer une journée auprès des siens, dès que ses affaires lui concéderaient quelque répit. Il partit le 10 novembre, et n'arriva que le lendemain à la petite gare de Brohignac. Personne ne l'attendait, il n'avait point prévenu de sa visite. Après avoir déposé à l'auberge sa valise, il monta par le chemin creux qui mène hors du bourg, au couvent. Une ferme vétuste, ample, où s'entrebâillaient des étables profondes, en formait le premier corps de logis. Deux bâtiments, que séparait une cour plantée d'ormes, alignaient, l'un des rangées d'étroites fenêtres, c'étaient les cellules des religieuses, l'autre, des baies lumineuses, les chambres des pensionnaires. La chapelle grise, derrière eux, s'unissait aux verdures d'un grand parc. Il s'enquit de Madame Dieuzède, une jeune femme en deuil qui paraissait enceinte lui répondit qu'elle l'avait vue sortir et prendre une allée débouchant à l'orée d'une lande. La promeneuse reviendrait sûrement par le même chemin. Bernard s'engagea dans l'allée des chênes au bas de laquelle il découvrit la lande vergetée de bruyères et d'ajoncs. Le feu des feuilles mortes se ranimait sous le soleil montant. Cette matinée de la Saint-Martin s'égayait d'un azur tranquille, une buée blonde riait sur les prairies, sur la plaine regorgeante d'arbres dorés, ondulant jusqu'à la lisière d'une forêt. Il recevait en son sang la douceur de l'air, le parfum des frondaisons expirantes d'où s'exhale un pressentiment de résurrection. Ses yeux accueillaient tantôt le rose cramoisi, le violet pourpré d'un brouillard de ramilles à la cime d'un bosquet lointain, tantôt le jaune grillé des fougères, le vert ardent d'un buisson de houx. Il marchait en paix avec le monde, avec lui-même et avec Dieu. Des âmes sans nombre semblaient se mêler à la sienne et s'y réconcilier. Néanmoins, une inquiétude comprimait les pulsations de sa joie. Il allait se retrouver, seul à seul, en face d'Hélène. Il craignait de lui infliger des réminiscences sévères, d'être devant elle le reproche qui surgit, le réquisitoire silencieux et perpétuel, mais il ne pouvait oublier, ni même paraître oublié. Incapable de calculer une attitude, il redoutait presque en même temps qu'il la désirait de toute sa tendresse cette rencontre dont dépendrait le ton futur de leur relation. Elle revenait indolemment, couverte d'une mante sombre, tenant appuyée contre son épaule son ombrelle ouverte. À distance, elle l'aperçut qui descendait vers elle, s'arrêta pour l'attendre.
Il pressa le pas et avant qu'il l'eût tout à fait jointe, il l'entendit émettre cet affectueux reproche, « Tu as voulu nous faire une surprise. Tu as bien tardé. » Il l'embrassa comme on embrasse une sœur ou une proche parente, aucun émoi d'amour ne traversa la simplicité de son mouvement, elle lui rendit un baiser rapide, et ils remontèrent ensemble jusqu'à la maison. Elle avait repris sa vive souplesse d'allure, le repos à la campagne, dans une sérénité plantureuse qu'entourait, sans la contraindre, la discipline conventuelle, restituait à toute sa personne quelque chose de juvénile et d'allègre, sous le hâle du plein air une fraîcheur sanguine éclaircissait ses joues qu'elle ne fardait plus. Il s'abstint d'admirer son changement, trop bon pour lui faire sentir de quelle déchéance il l'avait relevé. Leur entretien s'arrêta au séjour de Brohignac, aux études des enfants, à l'humeur de Paulette qui s'était notablement assagie, et, tout d'un coup, il dit avec force, « Veux-tu que nous redevenions des campagnards ?» Quand vous aurez passé ici tout l'hiver, au printemps vous retournerez à Portsic. À Portsic. Il n'y a plus rien. Nous meublerons du nécessaire le pauvre logis. Vous y serez mieux que n'importe où. » Elle le considéra, plus étonnée, même froissée qu'heureuse de cette décision. Une couleur de deuil rembrunit sa figure, elle n'osait l'interroger, « Et toi, que feras-tu ?» mais supposa qu'il prolongerait les rigueurs d'une séparation méritée. Bernard expliqua mieux ses projets, aussitôt finit l'effervescence du négoce que provoquait le passage des Américains, il vendrait, au Mans, sa librairie, et la transporterait à Brest où il se rendrait acquéreur d'un fonds, rue de Siam, que le libraire songeait à céder. Hélène retint l'objection qui lui venait aux lèvres, « L'état de tes affaires te permettra et il se rêve. » Elle se contenta de répondre, « Sans doute, ce serait le meilleur parti. » Il s'était assis au soleil, sur la terrasse, la venue de leurs deux filles et de Charles abrégea leur intimité. Paulette fut gracieuse avec son père, Adèle ne chercha pas à contenir l'excès de son allégresse. Tout le monde était gai, d'heure en heure on espérait la grande nouvelle, l'annonce de l'armistice. Au sortir de table, ils rencontrèrent le vieux facteur qui arrivait du bourg, et, les mains tremblantes de joie, tout en distribuant les lettres, propageait l'événement, j'ai vu la dépêche, la paix est signée. Déjà la grosse cloche de l'église se mettait en branle, les petites, trinquebalées par des bras furieux d'enthousiasme, s'agitaient comme des danseuses ivres, leurs volets se ruaient à travers le ciel sans ombre. D'autres, dans la campagne, leur répliquaient. Tous les clochers de France s'envoyaient le message de libération, il semblait que les morts eux-mêmes écoutaient sous la terre allégée, et que les enfants à naître devaient bondir dans le ventre des mères exaltantes. Bernard, silencieux, se découvrit et pria sentant que l'univers, en ces minutes, se recueillait avec lui. Mais Charles jeta soudain une réflexion dénuée d'artifice, « Puisque c'est la paix, Paulette ne me taquinera plus. »« Ne t'y fie point, » répondit Paulette en riant, « Paulette sera toujours Paulette. » Au même instant vint à passer, avec deux petites filles vêtues de noir comme elle, la jeune femme que Bernard avait rencontrée le matin. Madame Lécuyer était la veuve d'un savant de noble avenir, tué, 4 mois avant, dans l'Aisne, à la tête d'une section qu'il commandait. Elle attendait, pour la fin de l'automne, la naissance d'un troisième enfant, sous son voile funèbre étrange un jour de victoire, la lourdeur de sa taille était à la fois douloureuse et magnifique. Ses yeux restaient rouges de larmes fraîchement essuyées, cependant, elle souriait. Bernard vit en elle la figure de la France déchirée et debout,
plus grande que ses blessures, chargé d'espoir sublime, redressant au-dessus des ruines son front touché par des splendeurs clémentes. Elle dit à Madame Dieuzède, « C'est terrible de songer que, si la guerre avait cessé 4 mois plus tôt, mon mari. Et pourtant, je suis joyeuse. Vous me comprenez, si vous avez perdu quelqu'un. » Hélène, en se détournant de Bernard, murmura, « Oui, je vous comprends. » Adèle, qui s'était éloignée vers un groupe de religieuses, dans un bosquet du jardin, accourut pour annoncer, « Les sœurs vont chanter un Te Deum. » « Tu viens, maman ?»« Je viens, » répondit Hélène. Elle entra, devant Bernard, à la chapelle. Il mouilla son doigt d'eau bénite, lui en offrit, elle se signa, plus émue qu'elle ne croyait l'être, et l'échange du geste sacré fut entre eux le commencement de la paix. Celui qu'on a connu Job le pauvre redevient, en apparence, le riche Bernard Dieuzède. Durant l'année 1919, le caoutchouc, aidé par le trouble des changes et les manœuvres de Sarug, a rebondi d'un élan prodigieux. Les actions d'apport de la société anonyme représentaient pour Bernard, au début de 1920, un capital presque doublé, environ 800 000 francs. Ce retour d'opulence ne l'a pas ébloui, il commençait à s'en effrayer, n'avait qu'une hâte, vendre ses valeurs et rompre le contrat qui le liait à Sarug, au monde affreux de la spéculation. Hélène, cette fois, n'a pas osé contrarier ses vues, le détachement du gain l'a fait plus sage que les malins de la bourse, il a vendu avant mars et, dès avril, la hausse ralentie s'est tournée en dégringolade. Dervar, de nouveau associé, Fergus Ferguson et tous les autres vont boire un bouillon. Quant au malheureux Jules, accroché à la roue de la fortune, cette culbute a désorganisé son bouillant cerveau. Le climat de Singapour, les fatigues de l'exploitation, la frénésie des cupidités déçues l'ont mené à la folie totale. Bernard vient d'apprendre qu'on a dû l'enfermer, il se croyait un raïa des Indes, prétendait que son caissier lui avait volé des milliards, exigeait que cet homme fût mis en jugement et pendu, comme on lui résistait, un délire furieux l'a saisi, il a blessé d'un coup de poignard le juge qu'il sommait d'instruire. Son désastre enrage la vieille Madame Restaud rendue par ses rhumatismes plus insupportables et féroces. Hélène, au contraire, s'est ployée lentement à l'évidence des erreurs commises, une rénovation intime et pure sa volonté, elle reconnaît que le bonheur n'est point où elle s'égara, elle aperçoit les injustices énormes de sa conduite. Son orgueil reste encore loin de se briser jusqu'au repentir, pour s'humilier, il faudrait qu'elle examinât ses fautes, sous le regard d'une vérité austère et miséricordieuse. Elle cherche plutôt l'oubli, et l'oubli est impossible. À tout moment des faits inopinés, des sous-entendus, des sursauts de mémoire la rejettent vis-à-vis de ce qu'elle fut. L'autre jour, Paulette s'étant extasiée devant des lys éclos, Hélène a revu, dans le salon de Glanca, au crépuscule, les grands lys dressés comme des formes de mauvais anges qui la guettaient. Charles, qui vient d'apprendre en son catéchisme le 6e commandement, lui a demandé « Qu'est-ce que l'adultère ?» Elle a su répondre « C'est le péché des adultes ». Mais, surprise par sa question, elle a rougi devant son fils innocent. Quelle que soit la délicatesse de Bernard, il ne peut plus être pour elle l'amoureux d'autrefois. Quand elle rencontre d'anciennes relations, elle perçoit à des nuances d'accueil qu'on sait et qu'on l'a jugé. Aussi la vie mondaine n'est-elle plus le centre de sa vie, elle doit à sa triste expérience d'avoir palpé le vide des simulacres dont se contente le commun des gens.
Depuis qu'elle est rentrée à Portsic, elle se prépare, dans les harmonies de sa jeunesse, un cœur nouveau. Elle a retrouvé, tels que des amis perdus, les chaînes rebroussées par le suroi, la lande où le vent galope comme un poulain débridé, les ombres moussues aux plis des falaises, les môles des promontoires tendus vers les larges eaux, l'odeur du romarin sur les pentes, le chant d'orgue de la marée, et même la chapelle de Sainte-Anne au milieu des ormes avec sa voûte bleue percée de deux lucarnes, ses ex-voto, son brasier de cierge, sa pénombre brune et son silence. Le manoir, maintenant qu'elle en habille peu à peu l'indigence, lui est redevenu plus cher que jadis. Elle aime la bonhomie rustique des meubles qu'a remis Bernard, le siège où elle s'assoit, pour lire, près de la fenêtre, est un simple fauteuil de paille, semblable à ceux des aïeuls qui dévidaient les heures en filant et en gisant. Bernard l'a priée de reprendre sa harpe, elle ne jouera plus la fantaisie romantique, mais elle transcrit sur son clavier les pièces anciennes des maîtres du clavecin, des airs bretons ou irlandais, et si, parfois, elle y fait résonner les nostalgies des passions vagues, elle ne s'étourdit point d'un factice enchantement. Sa raison s'est assainie dans l'obéissance aux devoirs quotidiens, en attendant qu'elle soit une chrétienne, elle devient au moins une femme d'intérieur. Une âme comme la sienne va-t-elle s'embourgeoiser? Il faut, pour bien agir, qu'elle agisse en aimant, et l'amour la préservera des routines engourdies, des prudences mesquines, des plaintes toutes calculatrices. D'ailleurs, son mari est auprès d'elle, désormais elle ne se raidira plus contre sa générosité. Sans doute, l'aisance revenue au foyer amortit les antithèses de leurs deux caractères, Bernard, inespérément, a réussi, elle l'admire, elle l'écoute d'autant mieux que les faits l'ont justifié. Mais elle se laisse pénétrer des influences salubres qui rayonnent de lui et d'Adèle. Jusqu'au bout elle sera très différente, de moins en moins elle contredira. Bernard voudrait l'amener à sentir que le jeu des circonstances enveloppa, dans leurs épreuves, une prédestination ineffable, elle encourait l'abandon suprême, elle n'eut qu'un mérite, céder à l'appel mystérieux de l'espérance, consentir à ce qu'on l'arrachât des gouffres. Le jour où elle entreverra que l'enchaînement de merveilleuses conjonctures l'a délivrée, elle se fondra en gratitude et connaîtra enfin la grandeur de l'humilité pénitente. Jusque-là, Bernard sait que le bonheur ne reviendra pas tout entier. Humainement, le mal accompli ne peut jamais s'abolir. Les inclinations d'Hélène, en dépit des cataclysmes qui leur ont barré le chemin, reprendraient leur pente vers le goût du luxe et les chimères vaniteuses s'ils ne la défendaient contre elle-même par toute la force de ses exemples. Il a disposé leur commune existence de façon à ce que l'intimité se refasse lentement, sans qu'ils pèsent l'un sur l'autre dans une solitude oisive. Chaque matin, le jardinier attelle à un break de campagne l'un ou l'autre des deux vigoureux chevaux. Les enfants montent avec leur cartable, devant, à 8 heures, se trouver au pensionnat. Hélène et leur père les accompagnent, c'est Hélène qui, le plus souvent, conduit. Bernard a ouvert, dans la rue de Siam, une librairie d'art chrétien portant cette simple enseigne, les beaux livres. Frimbault l'a suivi et tient en sa main experte la direction matérielle de l'entreprise. Mais Bernard n'est plus réduit au métier d'un marchand qui reçoit les livres à la mode et en trafic comme d'une denrée comestible. Il choisit les ouvrages, et il en édite, il veut aider à se faire jour les écrivains, les artistes pauvres, quand ils savent, tel Robert avec sa résurrection, rendre par l'humain des formes Dieu tangibles. Pour lui seul, l'entreprise serait un fait excessif, il s'est acquis en tout instant l'auxiliaire dont il était digne.
Toustin, devenu veuf, s'est transplanté à Brest. C'est lui qui est chargé de lire les manuscrits, de répondre aux auteurs, de fabriquer les volumes. Bernard se réserve le choix des gravures et des eaux fortes, il associe Hélène à ce labeur captivant. Par là, dans un ordre heureux, leurs intelligences concordent, autant qu'elles en sont capables. Ils s'entendent, gage de félicité plus sûre que s'ils s'adoraient. Est-ce à dire qu'Hélène s'est tout à fait guérie de ses caprices nerveux, de ses impatiences dominatrices? La paresse de Paulette, son penchant à contrarier, ses pointes malignes, tout ce qu'elle porte de révolutionnaire en ses tendances, reste chez les dieux aide un ferment d'inquiétude. Bernard ne cesse pas d'être l'homme de tendresse, plus sensible que volontaire, comme le jugeait Brouland. Des troubles traverseront, plus d'une fois, son intérieur. Mais, lorsqu'il se souvient des crises qu'il a franchies, il s'émerveille, il rend grâce au Seigneur dans une effusion inlassable. Et il se réjouit en sachant que l'exclusion de la souffrance ne fait point la béatitude. Il redoute les fils d'araignée que l'abondance tisse autour d'une volonté encline à la mollesse. Il veut vivre pauvre en esprit. Ni son avoir, ni sa femme, ni ses enfants, ni les yeux de son corps, ni sa pensée même, il songe à l'état de Jules, ne furent ni ne seront jamais à lui. Pour ne point perdre la présence de cette divine certitude, il recherche les pauvres et les souffrants, il se prive en silence à leur intention, et il se reproche de trop les envisager, malgré lui, du dehors, comme n'étant plus l'un d'eux. Saura-t-il assez libérer l'argent de l'anathème collé sur lui, de ce rétrécissement qui fait le cœur du riche pareil à la peau de chagrin racornie en proportion de chaque désir satisfait. Même il se demande quelquefois si, dans l'ordre invisible, le temps où il se voyait le plus dépouillé ne fut pas le meilleur de sa vie terrestre. Hier soir, Hélène et lui étaient sortis ensemble sur la lande toute violette de bruyère en fleurs, et où se réfléchissaient, déliés dans le ciel, des tresses roses de nuée. Au milieu du plateau nu s'avançait à leur rencontre un vieil homme de taille gigantesque, vêtu comme un mendiant, un bâton en sa main droite et donnant l'autre à une femme chétive, courbée, qui le conduisait, car il était aveugle et tâtait le chemin devant ses pas. Cet homme, Bernard le connaissait, de son vrai nom il s'appelait Quénavo, mais sa prodigieuse stature, sa force jadis terrible et sa cécité lui avaient valu à Portsic le surnom de Samson. Longtemps il avait fait le métier de pêcheur, un coup de sang, comme à Bernard, lui avait ôté la vue, seulement, faute de soins, jamais il ne l'avait recouvré, et il cherchait son pain aux portes des maisons, sa femme étant inapte à le gagner pour lui. Sous un jupon grisâtre, sèche comme un fagot d'épines, elle paraissait déjà porter à califourchon la mort. Son menton en cisaille, ses yeux cernés de rouge, le tatouage de ses rides crasseuses marquait sa figure d'une laideur méchante. On disait qu'elle maltraitait son mari et même le frappait, ne lui pardonnant pas d'être bon à rien et vengeant sa faiblesse sur le fort des armées. Lui, au contraire, montrait en sa face rare sous une sorte de calme céleste. Bien qu'il eût des sourcils épais, abaissés et contractés au-dessus des prunelles inutiles, presque disparus au fond des orbites, l'ensemble de ses traits était joyeux, illuminé d'un signe de douceur que divinisaient, en cet instant, les reflets du crépuscule. Hélène, quand elle l'aperçut, aurait voulu l'éviter. L'aspect de cet aveugle lui rappelait que Bernard, par sa faute à elle, avait failli rester comme lui, elle se détournait d'un tel remords.
Mais la femme de Samson le mena droit à Madame Dieuzédé, avec la langue geignarde d'une pauvresse qui sait jouer son rôle. Elle remercia les bons maîtres d'un panier de figues, envoyé la veille. Elle laissait en même temps comprendre qu'une aumône fait appel une aumône à faire. Samson se taisait, comme abîmé dans le recueillement d'une extase. Le vent agitait autour de son cou les boucles blanches de ses cheveux mêlés aux flocons bourrus de sa barbe. Énorme et voûté, il avait l'air d'un mystérieux saint Christophe chargé d'un fardeau surhumain et pourtant paisible, assuré de ne pas fléchir. Soudain, il ouvrit la bouche, proféra, d'une voix très grave et souriant, « Le soleil des loups se lève sur la lande. C'est beau. Comment, dit Hélène, savez-vous que la lune est à l'horizon? Je vous plains de ne pas voir un soir comme celui-ci. » Il le voit dans sa mémoire, exprima Bernard, et plus beau qu'en vérité. Ne me plaignez pas, repartit Samson. Je suis trop heureux. Quand j'avais la lumière dans les deux trous de mon front et mes bras pour travailler, j'étais content de moi, je n'avais besoin de personne, même pas de Dieu. Il n'aurait pas trouvé à s'asseoir à ma table, mon banc était plein. À présent, il est chez lui, la place est libre, il peut entrer avec ses anges et tous ses saints, viens-t'en donc, interrompit la femme en le tirant par le bras. C'est grec possible de dire des bêtises pareilles. Voyez-moi ce feignant. Il ne me compte pour rien. Bernard la morigéna de sa dureté imbécile, Samson baissait la tête, résigné à ses injures, ne cherchant point à réfuter sa sottise, et il s'éloigna vers l'allée des chênes, docile, là où elle l'entraînait. Hélène et Bernard se remirent en marche, sur le sol où la lune étalait une couleur de bure, leurs deux ombres unies s'allongeaient. « Cet homme est profond, réfléchit Hélène, mais il me fait peur. Pourquoi ? » s'étonna Bernard. Il redit simplement à sa manière une parole plus douce que terrible, « Quand vous n'aurez plus rien, alors vous posséderez tout. » 1916 à 1922 Paris. IMP. Paul Dupont, centilitre. 7 octobre 2022. Astérisque 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 end of the project Gutenberg ebook job le prédestiné astérisque 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 updated editions will replace the previous one the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law.
Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full project Gutenberg license, please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works 1.A by reading or using any part of this Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. See paragraph 1.E below. 1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol mark commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset force in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.E.6
You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol mark commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol mark commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol mark commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol mark commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, BEHAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is / et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation at set forth in section 3 below. 1.F 1.F.1.
Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works and the medium on which they may be stored may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.F.2. Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.F.6. Indemnity,
You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol mark commercial. Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol mark commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS.
The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp or small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books. Job le prédestiné I234V678 9X11 The full Project Gutenberg license.